L'enjeu est que la guerre des blocs et la conception des blocs, ça ne suffit pas plus. Et qu'il faut commencer à penser des alternatives, des réseaux, des nouveaux vocabulaires. Surtout que ce qui doit se dissoudre aux États-Unis mais ailleurs aussi, c'est les formations disciplinaires qui, elles, naissent de la formation de la guerre froide. Aux États-Unis, ce sont la philosophie analytique. Elle naît carrément de la guerre froide. Ça, on n'a jamais entendu ça. C'est précisément MacCumber. C'est MacCumber qui a proposé ça. C'est John MacCumber. Ouais. C'est génial. Il a dit que c'est un diagnostic assez précis. On n'a même pas mesuré l'impact de la guerre froide au-delà des écoles politologiques, de politique, etc. C'est-à-dire jusqu'à quel point la vie intellectuelle, la vie scientifique, la vie universitaire était marquée par ça. Et après coup, on a constaté que tous les soviétologues de l'Amérique ne pouvaient pas prédire, avaient tort, etc. Mais au-delà d'une bande de soviétologues, des soviétologues qui étaient payés par les soviétologues, donc ils ne pouvaient pas prédire qu'à 91 ça va finir, que etc. Mais au-delà des facultés de politologie, de political science, dans les facultés de la philosophie analytique, dans les facultés des sciences humaines, dans les facultés autres, jusqu'à quel point plusieurs générations étaient marquées par cette opposition très simpliste. On dit que souvent qu'on n'a jamais eu un système si simple, binaire. C'était toujours beaucoup plus complexe. Et là, tout à coup, après la disparition de l'Union soviétique, on revient au complexe. Et cet retour à la complexité n'est pas encore pensé jusqu'à justement les facs de philosophie, des sciences humaines, de comparative science. Il ne le sera pas aux États-Unis si on se tient dans le cadre de la philosophie analytique. Parce que la philosophie analytique a été pensée pour ne pas penser cette relation avec la complexité. C'est justement que la philosophie analytique aux États-Unis a été conçue pour priver la pensée de l'ouverture vers l'autre, vers la diversité, vers la complexité. Je dis ça à tout niveau. On a séparé absolument, à partir de 1950, de l'enseignement des langues, de l'enseignement de la philosophie. On ne fait pas philosophie en français, en allemand, en italien, en espagnol, surtout pas. On ne fait pas dans la logique, dans des langages non naturels. Le système binaire qui remplace l'américain soviétique et le système des religions. Maintenant, tu veux dire le bien, le mal, la guerre du bien contre le mal, la guerre des religions, les fondamentalismes, tous les coups. Oui, le bien contre le mal. On peut retomber dans cet aspect binaire, simplifiant, etc. C'est là que nous pouvons dire qu'effectivement, notre idée de poursuivre et de continuer, tout en puisant dans cette analyse réfléchie, pratiquée des diversités, en essayant d'élargir et en prenant au sérieux, si vous voulez, un peu en marge à l'horizon, était l'idée de langue universelle, globiche, etc. C'était plus ou moins marginal. Si maintenant, un nouveau frais, au lieu de le faire en bas de page, une sorte de note, on le prend au sérieux et dit, écoutez, pourquoi pas s'attaquer à cela? Parce que d'une manière ou d'une autre, nous faisons tous. Mais bien sûr. Nous pratiquons ça différemment chez vous et chez nous. Chez vous et chez nous, etc. Ça peut devenir intéressant. Ça peut s'ouvrir à la fois sur l'actualité et sur l'historicité.
sur l'histoire, parce que nous venons de parler aussi avec André, avec Anka. Ouais. Comment ça se passe au niveau des Translatio Studio Room, Translatio Iberi, le sujet de la langue libérale, etc. Quels sont les rapports et comment ça a été enseigné dans différents pays, quelles sont les langues d'enseignement? Et souvent, c'est la langue de l'autre, que ce soit latin, grec. Simplement, je venais de dire que c'était des langues des empires abattus. Alors que maintenant, c'est le contraire. C'est une langue de l'empire présent. Voilà. Pour le latin, ce n'était pas une langue de l'empire abattu, c'était une langue de l'empire présent. Oui, mais je veux dire au Moyen-Âge. Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on a parlé... Translatio Iberi n'était pas là, oui. Ou différemment, alors que Translatio Sudero s'est passé comme ça. Et ça, c'est intéressant, je dirais qu'à Kiev, il y a deux siècles d'enseignement, à la fin du 17e et 18e. Ensuite, on passe au russe. Elle est là, la bouteille. Elle est là. Elle est au froid. La deuxième bouteille. Non, c'est bien. Ensuite, on passe. La froide. Ensuite, on passe au russe. Celle-là, elle est. Alors. Donc, une langue, une autre. Merci. Alors, donc c'est intéressant comment les uns et les autres puissent analyser. Ce vin est délicieux, vraiment délicieux. Bon, alors il faut deux pensées. Oui. In vino veritates. Puisqu'Aline n'est pas ici, puisqu'Aline n'est pas là, on peut dire veritates. Qu'il n'y a qu'une vérité. Voilà. Donc c'est plus. Non, on va finir tout à l'heure. Laisse tous les plats. Plus de bouteilles, bien évidemment. Mais alors. Pour penser comment on est arrivé à cet enjeu d'avoir la nécessité de disséminer les langages, de faire plus de langages. Ça, c'est une question à la fois théorique, conceptuelle, mais aussi historique. C'est délicieux, hein. Tu essaies cette théorie. C'est un problème. Ah, l'altro bicchiere, aspetta. Non, non, è très bien. Parfait. Il est très gentil, hein, de patron. Très. Notre projet. Oui, alors, est-ce que il faut. Là, on est en train d'essayer de parler du projet suivant. Enfin, qui est le même. C'est une autre manière d'ouvrir une autre bouteille. Voilà. Un autre projet. C'est le projet, ce serait comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on a accès au crédit européen pour le dictionnaire. Et l'idée, c'est plus d'une langue. Faire un programme. Alors, il faut voir porté par quel pays et comment, sur la manière d'interpréter plus d'une langue, c'est-à-dire le rapport à l'anglais. Donc, le rapport à l'anglais aux États-Unis et en philosophie analytique, enfin, et par rapport à la philosophie analytique, ce que tu disais ce matin, qui est vraiment. Et je voudrais savoir, juste une petite. Est-ce que le livre de John McCumber est traduit en français? Ça, je le dis, je ne sais pas. Je veux bien essayer, moi. Je veux bien essayer de traduire. C'est quoi son. Le titre s'appelle Time in the Ditch. Time in the Ditch. Ditch, c'est quoi? Le ditch, c'est quand on est en prison. Le volant, la voiture. C'est l'embardé. L'embardé du temps. Ah, l'embardé. Hein, c'est ça, l'embardé du temps. Quand la voiture va dans le fossé parce que tu fais un truc. C'est le fossé. Voilà. C'est le fossé. Donc, le temps dans le fossé, dans l'embardé du temps. Il ne faut pas enlever ça. Time in the beach. Laissez-nous ça. Beach. Oh là là, c'est bon. C'est quoi? On veut plus de pâtes après, non? Sur des pâtes, c'est fini après ça. C'est très très bien. Super. Mais en revanche, je veux bien. Qu'est-ce qu'il veut? Il y a encore un peu de jambon là, délicieux.
Il est à toi, là. On a été scandalisés. Donc on titubait et on prend une salle et encore 2 km de peinture. Je peux Monsieur Arsène. Bonsoir, mademoiselle. Merci, ça va? Oui. Ça va et vous? Ça va. Et vous, ça va? Ça va. Ça va bien. C'est très bon ici, hein? Merci. 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 Bonjour. Pensant à l'anglais, aux deux cousins de l'Europe et à votre manière de traiter l'anglais, de traiter avec l'anglais dans votre pays tel que c'est et tel que vous voulez. Parce que par exemple, quand j'étais en Iran, je me suis aperçue que c'était absolument délirant. De dire, de m'imaginer que l'anglais était une langue, que le globish pouvait être un ennemi. Oui. Le globish est évidemment quelque chose de salvateur en Iran. Ben oui, c'est ça. Parler anglais, c'est formidable. Et même mal le parler, parler globish, c'est formidable. C'est essentiel, c'est un outil et une arme. C'est une alternative. Et c'est une arme. Alors que... Les gens qui traduisent Derrida et Badiou de l'anglais. C'est très marrant parce que parfois même les Anglais font des fautes. Alors là, quand on traduit de l'anglais, on fait encore des fautes. Non, mais en plus, Derrida et Badiou, c'est comme si on traduisait Lacan de l'anglais. Je veux dire, c'est tellement idiosyncrasique que ça fonctionne 0-0-0. Mais je veux dire que la philosophie française, on ne peut pas traduire. Non, pas la traduire de l'anglais. Non, c'est pas possible. Non. Non. Peut-être qu'on pourrait l'italien si on essayait. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que chacun de nos pays a une position très singulière par rapport à l'anglais. Et par rapport aux anglais. Parce qu'il faut tout de suite mettre ça pluriel. Il y a des anglais, il y a un anglais globish, il y a un anglais de la philosophie analytique. Moi, je veux dire, est-ce que de ma culture, tu me je demandais à Fayard ce qui a été dit mardi, l'italienne qui a parlé, elle se réjouissait de voir un Allemand parlant anglais. Elle sentait d'abord l'anglais comme un déplacement des langues de ceux qui tenaient à ne parler que dans leur langue. Donc il y a ça aussi. Même ceux qui parlent très mal anglais comprennent. C'est un élément. Vas-y, il y a la tonne, tellement mal prononcée, c'est-à-dire prononcée avec
on décide de la prononcer, rien n'est fait. C'est le contraire de votre souvenir stuttering. Oui, mais c'était un autre temps. C'était un autre temps. C'était un temps de voir un certain orgueil brisé aussi. Par rapport à l'allemand même ? Oui. C'était ça le ton. Donc, il y a un peu ça. Donc, pas toujours l'anglais est vu comme une langue primordiale. Non, non, mais ça va. Oui, oui c'est possible. Hein. Ça change de contexte. Donc c'est intéressant comment on met aux différentes sauces le monstre et justement quels sont les types d'anglais qui puissent jouer des rôles tout à fait différents. Et donc comment telle ou telle langue entre en dialogue, comment l'identité de telle ou telle langue européenne s'articule par rapport à cela. Et donc, en quelque sorte, réarticulation de cette multiplicité à partir du moment qu'on a réfléchi avec la. Oui, tu sais, je crois qu'il faut penser ainsi. Un peu plus général. L'anglais est le langage à la fois hégémonique économiquement et culturellement dans certains sens. Mais ça ne va pas durer. Oui. Ça durera peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus. 15 ans. Ça peut être long. Après ça, je t'assure que le chinois, peut-être l'espagnol, ça va prendre les. Alors, pour que ce projet ait une vraie identité conceptuelle qui dépasse les prochains 10 ans ou 5 ans, il faudra penser non pas plus d'une langue en relation exclusivement avec l'anglais, mais en relation avec une langue hégémonique, quelle qu'elle soit. Rien qu'elle soit l'anglais, le chinois, c'est pour ça que j'ai évoqué le latin. Ouais. Justement parce que ça donne une historicité, ou le russe, ça donne une historicité, il y a des empires partis, il y a des empires présents, il y a des empires qui sont en train de partir. Il y a des livres, moi j'ai travaillé ça pour l'ENA. Et donc il y a un certain nombre de livres qui sont parus en français. Il y a un livre de Jean-Paul Nerrière. Il y en a un autre de même d'Atali qui dit exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire attention, moi je vois, voilà comment je vois la suite des événements, dans quelques années l'anglais sera détrôné par le chinois, puis ça sera une langue parmi d'autres parce qu'il ne faut pas oublier l'hindi, et puis bon, et puis on va passer aux multiples. Et c'est relativement, c'est soft convaincant. Donc on ne sait pas. Je veux dire, il faut savoir quelle est l'idéologie qui est dessous et c'est pas facile à comprendre. Alors que si tu veux, moi ce que j'ai trouvé remarquable, là c'est quand tu dis la philosophie analytique, elle est faite comme si, c'est comme si elle était faite pour dire que la guerre froide, bon, n'a pas de sens, n'a jamais existé. Justement, on ne peut pas prédire ce qui va se passer dans 50 ans, mais l'historicité permet la relativité. Tu peux me garder les tomates historiques qui me mettent à rendre plus relatives les choses que sont facilement. Non, non, ça. Ça, ça. Tu écoutes tout. Ça, dans ce sens-là, je comprends ce que tu veux dire. C'est intéressant que c'est une proposition qui vient de l'Amérique. Oui, oui, oui. Ouais. Mais je suis bien d'accord qu'il faut à la fois historiciser la chose, vous voyez, ça existe. Il y a énormément de travaux qui ont été faits là-dessus. Et si on veut faire un projet européen, là, attention, il y a un state of the art qui est considérable. On ne va pas s'engager comme ça sans notre imposition. Non, travailler là-dessus, parce que c'est considérable dans tout le monde. On peut trouver des postes. Ça, c'est chouette, au contraire, c'est bien, c'est très bien. Et state of the art là-dedans, il y en a plein. Une question. Est-ce qu'il y aura là-dedans
répétition entière du monothéisme lui-même, c'est-à-dire du polythéisme, le monothéisme, son discours envers le polythéisme. Écoute, moi, ce que je dis dans le master, c'est l'articulation des deux projets, plus une langue et les trois monothéismes. On a opté pour l'autre projet. Alors, moi, je pense que... Le projet plus d'une langue. Non, mais attends, moi, je pense que le monothéisme, il faut le faire. C'est impératif, c'est urgent. Plus d'une langue, ce serait plutôt un projet européen qui est là. J'en sais rien. Je ne sais pas. Plus d'une langue, c'est le développement naturel du vocabulaire. Voilà. Mais les trois monothéismes, voilà. Les trois monothéismes, c'est un, on prend le vocabulaire et on l'immerge dans des textes qu'il n'a pas jusqu'à présent élaborés. Et et dont on sait que c'est fondamental de le faire. Et moi, la question que je me pose par rapport aux trois monothéismes, c'est que moi, ça me fait chier les monothéismes. J'en ai vraiment, ça me sort par les yeux, comme la vérité avec un grand V. Et donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le rapport entre les monothéismes, quels qu'ils soient, et le paganisme, et les païens, et le multiple. Et donc, je ne sais pas comment ça peut rentrer dans un projet des trois monothéismes. Donc, c'est aussi pour ça que je ne sais pas lancer ce projet. C'est que je vois bien des choses que tout le monde, à la limite sauf moi, pourrait faire sur le monothéisme. Tu comprends ? Effectivement, il faut des spécialistes du Coran, il faut des spécialistes de l'Ancien Testament, des spécialistes de la Bible, avec les raffinements Torah, avec les raffinements protestants, orthodoxes, tout ce que vous voudrez, et je m'en fous. C'est un autre projet, surtout. Dans l'histoire de la constitution des monothéismes, la question du polythéisme est toujours posée. Elle est toujours posée. Je veux dire, simplement, là, on est en train de discuter un autre projet, c'est tout. Oui. Es-tu sûr? Et je pense que, chemin faisant, pouvons tout simplement se retrouver à Kiev ou en Italie ou quelque part ailleurs. Durant 3 ou 4 prochaines années, on pourra articuler d'autres choses. Mais là, c'est une chose que nous pouvons envisager en rédigeant chacun 2 pages. Comment nous pensons ça aujourd'hui? Cette chose-là. Le plus d'une langue. Le plus d'une langue et le rapport à l'anglais. Oui, c'est au fond ce qu'on a fait aujourd'hui. Oui, point à la ligne. C'est une manière de résumer ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ça. Ça découle naturellement. Mais je croyais que c'était intégré à l'autre projet. Au monothéisme, peut-être, moi, je pense qu'il y a des passages qu'on n'a pas encore aperçus. On va voir. Oui, mais c'est différent. J'avais compris que c'était un développement à peu près. Plus d'une langue, c'est le développement naturel du dictionnaire sans le déporter. C'est simplement une manière de poser un problème qui intéresse, en tout cas, si on veut des crédits européens, qui intéresse l'Europe au premier chef. Oui. Ça, mais l'autre intéresse plus un roi que l'Europe. Oui. Plus le monde. Oui, destin, je veux dire, à l'extérieur de l'Europe. C'est pas un projet européen. Oui. Vous êtes déjà loin de... Mais moi, j'ai pensé, si tu veux, ça. Vous devez vous situer, enfin, vous parlez de toi à l'Institut d'études avancées. J'avais parlé des trois monothéismes, en disant que tu étais certainement l'une des personnes qui pouvait en voir les implications politiques, et pas seulement immédiatement religieuses. Et donc... Tu as fait ton projet qui était sur ton projet, c'est très bien. Mais on peut profiter de ton passage pour organiser un cours autour des trois monothéismes. Oui, en revanche. Je me trouve dans une situation assez délicate parce que moi, je ne veux pas du monothéisme. Alors, ça m'intéresse comme problème historique. Bon, il y a eu des monothéismes, mais... Je ne veux pas m'engager à un projet qui serait,
disons, l'excuse d'un nouveau monothéisme ou d'une nouvelle relation entre les monothéismes existants. Une générosité monothéiste, ça me fait chier. Voilà. Il y a un livre de Bloch, athéisme dans le christianisme. Je crois que dans les religions monothéistes, il y a effectivement cette dimension-là. Je crois qu'on peut insister beaucoup. Oui, voilà. Par exemple, l'autre jour, on a parlé de Borges. Borges est dans un monothéisme, mais en même temps, il y a quelque chose qui éclate. D'autre. Qui je suis d'accord. Et il essaie de faire exploser en quelque sorte de l'intérieur. Oui, ouais. Parce que. Bon, mais ils n'ont pas. C'est pas le même lieu qu'occupe l'athéisme dans le judaïsme, dans l'islam, dans la chrétienté. Alors, et l'athéisme, c'est pas encore le paganisme. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs. Il faut aussi être très intelligent là-dedans. Oui, bien sûr. Hein? Parce que athée, c'est pas païen. Et ça, c'est très intéressant. Il y avait dans des discussions de Vittoria, Francesco Vittoria, par exemple, quand il y avait des Espagnols sont allés en Amérique du Sud. Il y avait justement cette discussion-là, parce qu'ils faisaient prôner tout aux Indiens. Vittoria a dit, mais c'est pas vrai, ce sont pas eux, ils ont leur religion à leur façon. Leur donc, Dieu. Voilà. Et avec un X. Et à partir de là, ils ont le droit à une propriété, aux femmes, etc. Donc on ne peut pas tout prendre. Je voudrais juste dire la phrase de Charles, moi qui m'a toujours vraiment aimantée, c'est nous ne jalousons pas les dieux, nous ne les craignons pas. J'ai encore un verbe aujourd'hui, mais nous nous émouvons d'être de leur élevage multiple lorsque cesse leur souvenir. Cette phrase-là, moi je la trouve complètement mienne, c'est-à-dire c'est juste parce que les dieux n'existent plus que ça m'intéresse, enfin que je peux leur appartenir. S'ils existaient encore, je m'en ferais bien loin. Mais lorsque cesse leur souvenir, on peut commencer à être païen. Nous ne jalousons pas les dieux, nous ne les craignons pas, et nous nous émouvons, ce qui n'est pas grand-chose quand même, d'être de leur élevage multiple lorsque cesse leur souvenir. Magnifique. Qu'est-ce qui va nous réunir l'année prochaine ou l'année d'après, etc. Et donc ça c'est intéressant. Comment chacun pourrait concevoir ce que nous allons écrire. Et je pense que cette matinée.